le compte de cette J27, comme je vous le disais. Match quasiment sans enjeu pour les Cristoliens qui ont validé leur maintien la semaine passée avec leur belle victoire du côté de Dunkerque. Et Toulouse qui va pas forcément très bien depuis quelques semaines. Toulouse qui va ajouter ses dernières forces dans la bataille pour éventuellement accrocher une place européenne. Le bras est déjà levé. Boyba Sissoko qui ouvre le score. Gonzalez. Feuchtmann, il s'en sort. Et la troisième Mandry, 3 sur 3. Le contre avec l'Alsacien Edouard Kempf qui envoie cette Mandry et qui égalise. Sissoko. Plutôt Ratch, il y va seul. Jeu très atypique. Et il y arrive. Paredes et la bonne interception. Côté toulousain, Edouard Kempf, Butorac, on joue rapidement et le Belge Jeff Letens qui répond à Todor Jandrić. Ça va d'un sens à l'autre et la roucoulette. Face à la dimension physique de l'arrière cristolien, Edouard Kempf une nouvelle fois. Hop, 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 il est en forme Edouard Kempf. Rigaud cette fois-ci, il transmet à Samuel Dean, c'est bien exécuté, très bien fait. Et c'était Balenciaga qui s'y trouvait cette fois-ci, avec tout de même de la réussite. Bruno Butorac qui est à 4 sur 5, correctif. Sissoko une nouvelle fois, qui prend de vitesse. Maxime Gilbert, Yoros Barzas, voilà. La contre-attaque et quel festival! La roucoulette de Mario Lopez! Le ballon récupéré par les Toulousains, Nemanja Ilić. On pourrait quand même aller au bout. Oh! Il se venge après ce but annulé! Kylian Rigaud, le pétard! Paredes, Butorac, on décale à l'aile et c'est encore une fois très bien fait. On est reparti sur les mêmes bases que le début de rencontre. Paredes, c'est bien trouvé ce poteau entrant. Martin Vieira qui fait sa non-apparition. La possibilité de revenir à moins 2. Feuchtmann, c'est dedans. Et oui, ils sont là les Toulousains. Paredes une nouvelle fois. Boyba Sissoko. Valentin Mann. Pap, 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 pap. Ce but à l'aveugle. Oh, ça va figurer très vraisemblablement dans le top but de la journée. Et la possibilité pour les Toulousains d'égaliser. La passe dans le dos pour Ilić. Et 23 partout. Giblin. Boyba Sissoko, la vitesse. Et Ilić, le face à face. Et la réponse. Oh, maman, ce tir hyper puissant d'Antoine Ferrandier, la réponse directe. Rigaud, Sissoko, Rigaud, on décale pour Ferrandier, le coup de fou. Et à la conclusion, Mario Lopez. Balenciaga pour la vitesse, et c'est une nouvelle fois bien conclu par Gonzalo Martins. Giblin, Ferrandier, Boyba Sissoko, on décale pour Mario Lopez. Oh, le jeu cristolien ce soir. Face à lui qui relance la machine toulousaine. Et voilà, Toulouse n'est pas mort. Ferrandier, poignant. Les dernières chances dans la bataille côté toulousain pour l'Europe. Et Balenciaga qui y va tout seul. 34 partout. Oh, Toulouse qui peut prendre pour la première fois de la rencontre l'avantage, c'est fait! Oh! Pour clouer tout ça, le pétard de Gonzalo Martins. Giblin pour Poignant. Ça a fonctionné durant toute la rencontre, mais cela ne suffit pas après la remontada toulousaine. Menée de 6 buts à la pause, Toulouse arrache une victoire essentiel pour espérer encore aux chances d'Europe, aux chances de top 5. Créteil a offert du bon jeu, du grand jeu, mais cela n'a pas suffi face aux ressources mentales toulousaines.